Bonsoir tout le monde, c'est toujours un plaisir chaque fois que pour moi dans position pour moi rencontrer nous et pour yon petit bat bouche, mais je dis c'est pas vraiment moi-même qui va l'interviewer aucun monde, mais c'est à l'improviste. Monsieur ça OK, n'a regardé là, m'a pas quitter c'est vous-même qui introduit yo, et yo décidé prendre à l'improviste là pour relancement mat publicité qui te konn passé sur plusieurs stations de radio, mais jodi et monsieur a retourné avec lui, mais avant que retourne avec lui yo voulait faire un bagage symbolique et sur plateau Fondi Choa ensemble avec moi. So moi juste là pour moi introduire yo en façon à ce que pour souhaiter au succès tout ça bon pour retour mat publicité. Mat publicité sont une émission qui te konn fait sur en premier temps sur Radio Planète, et après ça te vient traverser sur Magnitude, c'est ça? Exactement. Et puis sont émission qui fait publicité pour entreprise et pour event tout qu'a fait sur toute communauté a dans toute communauté a et département Nord-Ouest là. So monsieur pour mal improvise, son plaisir pour moi pour te refuser yo et puis pour me capable faire mise au point ça pour nous. Bon, gagne quelques monde qui va venir toujours, mais c'est plus que yon 2012 monde et staff et ma publicité qui a présent avec nous, mais après moi même vienne faire introduction. La balgain pour nous tendre toute équipe là qui a parlé, mais c'est pas vraiment moi même pas bien pour moi et intervenir là. Monsieur, bonsoir, son plaisir pour nous, bon honneur là pour nous bail studio à honneur là pour nous faire relancement et ou bien capable dire retour ma publicité et micro pour nous, et nous capable faire présentation yon après l'autre, et puis pour nous démarrer Jean que ça te prévoit. Bonsoir France, bonsoir Port-de-Paix, donc bonsoir à tout le monde internaute qui a regardé nous actuellement et ça qui va regarder, qui va avoir chance de regarder après. Non pas moi c'est Jay Sandro d'Offre Lubin, moi c'est graphiste un projet A, et moi c'est yon nan présentateur mat publicité. En fait, c'est plus qu'un plaisir pour nous là, dans Frenzy Show, bien que c'est de manière imprévue, voilà, c'est pas vraiment yon bagay qui nous te prévoit et gagner Frenz sur le plateau, comme les autres disent. Mon connaît de bigam moun la kaye pa boule, donc ou obligé quand même intervenir. Genre, comme ça dit, non pas M. Jay Sandro, non là, justement, pour nous capable non seulement parler, moun yon un peu de ma publicité, dit exactement et ça que nous poil poter en termes de services publicitaires dans le département et pourquoi pas tous les pays en entier, parce que là nous avons une vision qui vraiment large, ok, qui vraiment large, mais c'est quand même, c'est vrai que nous à Port-de-Paix, parce que vision elle couvre tout le pays. Bonsoir tout le monde. Et Fran, son plaisir aujourd'hui à vous dans Kaila. Et belle Kaila, la grande Kaila. Je dis à nous vraiment content, ma publicité content pour lui là. Pour nous venir faire, ça nous est le relancement. Et pour nous pas dire grand lancement officiel ma publicité dans le micro, dans le studio à Soya. Donc, je te connais déjà, Jean Lié et Jean Poilier, ma publicité en the house. Bonsoir Haïti, bonsoir le monde, bonsoir Monsieur Franz. Non, c'est Hermandi Célestin. Moi c'est vidéaste projet là. OK? Alors c'est moi qui responsable question de vidéo, question de images pour ma publicité. Merci. Bonsoir tout le monde. France, bonsoir et Port-de-Paix, bonsoir. C'est un plaisir pour nous dans Kaila après-midi dans studio France Show. Nous connaît qui ça France Show représenté dans département Nord-Ouest. Département Nord-Ouest et sorry. En fait, moi c'est Jeff T. Vanderson Rival, programmeur web, programmeur mad publicité. Nous là après-midi pour nous parler plus de mad publicité. Yes, en fait c'est yon paquet de joie que nous réunis à ce là, non seulement pour nous parler de mad publicité, parler de objectif li, parler de ça que nous gagnons comme service et produit que nous pouvons porter
et dans marché et commercial là, et pour toute entreprise, pour toute activité commerciale, pour tout événement qui a fait dans ces modes de publicité, il y a une place li dans le département. Donc, après-midi à là, nous pouvons assister Jean-Ké Franz Soudili à la réouverture de cette émission Mad Publicité. Nous avons gagné après, nous finissons de parler, nous finissons de faire ça pour nous faire notre Francis Show. Nous avons gagné pour nous aller dans RTFI, Radio Téléformidable, pour nous parler un peu de marketing et profiter le temps pour nous soulever quelques points qui sont vraiment importants dans la question publicité, dans la question marketing, dans la question événement, dans la ville Port-de-Paix et pourquoi pas dans le Nord-Ouest. Parce que nous connaissons déjà dans les affaires business, dans les affaires entrepreneuriat, le marketing, ben, c'est lié en place de choix. Pas gagner communauté, pas gagner entreprise, pas gagner aucune activité commerciale qui est capable d'arriver atteindre, comme d'a capable de dire, un essor qui est normal sans la publicité, sans le marketing. Et je pense que pour nous, une communauté entrepreneuriale, une communauté de business qui est vraiment chaud, côté que l'activité, tout le monde prend pas dans, tout le monde joue, il faut gagner marketing, il faut gagner concurrence et il faut gagner innovation qu'a fait. D'où l'importance d'une telle institution, qui c'est Mad Publicité, ça fait nous là après-midi. Ok, et Jay, normalement on connaît qui s'allie déjà, qui s'allie vous présenter déjà, parce que philosophie ça que nous venons essayer de définir, il y a l'autre gens en dans la communauté ça, la communauté norvégienne, dans la question marketing et publicité, Mad Publicité, je dis là, trouver vraie place li en dans la société ça, en dans la communauté ça. À partir de ça qui t'est gagné déjà, yo, à partir de l'analyse que nous fait de terrain, à partir de ensemble problématique, nous estimons que, eh bien, gagnons vide en dans société ça, surtout dans le secteur culturel, hein, et dans la question commerce, nous ouais, eh bien, gon espace qu'il a qui pas fin. Eh bien, c'est à partir de là que nous dit ben ça passe, faut nous faire l'autre bagage. Particulièrement, je me rappelle quand l'idée m'était venue, je me pensais, bon, est-ce que je commence à dire déjà, c'est pas encore et l'historicité de ce mouvement, mais je me pensais, après, nous allons gagner pour une idée beaucoup plus large, la secrétaire, et oui, je me pensais, et soit Emmandi ou notre frère qui s'est déjà présenté. Ok, donc justement, nous pourrons gagner pour nous suivre. Tout ça, nous gagnons dans le package là, tout ça, nous gagnons comme philosophie en dedans, émission ça. Bon, on va parler des émissions qu'on y a. Jane, est-ce qu'on y a donc à parler des émissions parce que nous pas disons émissions. C'est pas encore les shows, mais c'est quand même, je dis à la son bouillon. Oui, son bouillon, il y a une façon pour nous capable mieux faire connaissance avec les Game Boy, les Game Legumes, toutes bagaille là-dedans. Mieux faire connaissance à projet en gros, yeah, yeah. Qui chaque gain là-dedans et qui ensemble de personnalités qui nous gagnent, qui poil retient background des projets ça pour nous bailler un service de qualité à communauté Port des Pays. Alors notre seule et unique fille, autrement dit femme, parce qu'on ne peut pas dire fille ici, là, cette belle créature comme étant femme. Nous ne pouvons pas dire fille encore, Jay. Non, pas que ça. Pas que fille, nous ne pouvons pas dire ben, madame, nous avons l'honneur pour nous recevoir, pour nous présenter au grand public. Là. Alors, on va gagner pour présenter pour le peuple. Là. Bonsoir, le monde. Et bonsoir, monsieur Franz. Je suis Schneider François, je viens de Port-au-Prince. Je suis la secrétaire de Mad Publicité. On va ajouter, oui, maquilleuse Mad. Oui, maquilleuse. Yeah, c'est maquilleuse Mad, il faut dire, ou son maquilleuse tout. Hein? Oui, et encore moins le PDG de Haute Art Création. Ah oui. C'est bon, nous commençons à vendre. Parce que c'est la publicité pure. C'est la publicité, donc tout ça nous connaît. Yeah. Mm-hmm. Alors, c'est fin? Ok, yes. C'est tout. Ouais, Jay, vous avez continué à vous dire? Oui, en fait, c'est ça, ma publicité dans Kaila, dans Fancy Show. Juste avant que nous entrions dans la question publicité, marketing, dans la ville, Port de Paix et pourquoi pas dans le Nord-Ouest, on voit en gros qui s'appelle ma publicité
historicité, comment elle a commencé. Je pense que le monde qui est mieux placé pour dire et plus de maths publicité, c'est Mr. V d'ailleurs. Je pense que c'est ma peine. Ok? Donc, nous passons le micro à Mr. V pour dire comment l'idée maths publicité a été venue et pour qui ça, ok, à partir de qui ça, qui a été choisi, mettez maths publicité. Ok, dans ville Port de Paix qui a bâillé un service hors pair. Merci Jay. Et Madpub, c'était une idée de moi-même, Île-France Damien, comme étant PDG, dit Mr. B, comme étant un monde qui a fait radio depuis un certain temps dans le département. Ça. Moi-même, ensemble avec Marco qui n'est pas présent, le nom c'est Madpub. Alors, c'est MAD. Mm-hmm. MAD, là, c'est un acronyme de deux noms. OK. Et MA pour Marco, Mark Wilkins, et puis DA pour moi-même, qui c'est Damien, et puis EA pour entreprise. OK. Et l'idée, ça t'est venu un matin, moi, je suis dans la radio, Magnitude, comme étant directeur de ressources humaines, et puis présentateur des émissions. Je me dis, bon, m'a regardé depuis combien de temps m'a parlé dans la radio moi-même, m'a fait des émissions bel contenu fait pointu, est-ce que comprendre ni pas jamais rapporter rien. OK, dit bon, puisque pas jamais rapporter rien, est-ce que m'a pas ca faire l'autre bagaille et pour me faire comme tout. Et c'est de là étant l'idée en venir, me dit bon, pour que ça m'a pas fait yon entreprise publicitaire côté que m'acheter l'heure dans la radio pour, je m'en excuse, parler de business. Si c'est acheter, m'acheter l'heure, parce que si m'a parlé de friend hit show, mettre radio, papa dit, hey, Damien, écoutez pas, parce que nous saluons friend hit show qui sont gagnés. Il dit, bon, on a pas acheté l'heure, et puis pour nous faire promotion. Moi, j'ai un Marco qui s'est en même qui t'a fait politique, red. Je n'ai pas fait politique, mais il fait 6 heures. Marco qui est dans la cabane. Okay. Talon, monsieur peur. Quand on parle de politique en paysan, monsieur peur, sensible. Mm-hmm. Dit, moi, les Marco, me dit, Marco, j'ai besoin, man. Dit, ça qui passe, monsieur. Dit, je m'en ai adieu, puis là, il vient, je m'en ai adieu, et puis me dit, mon cher, ma prédit, on a politique, man. On a fait des bails social, non. Et on comprend, on a fait politique passive, mais ma prédit, on a politique, ça qui passe. Dit, mon cher, j'ai besoin de faire une émission. Mais, il y a une émission, on a acheté l'heure. On a payé la radio. Et puis nous pas chercher entreprise pour ban nous pour payer nous pour faire promotion pour. Et puis monsieur dit mon cher, son très belle idée. Ça l'a fait. Même côté à nos chita et puis nous commencer à checker non. Et puis nous était venu avec toi non et nous venir kembe mat pub là. Acronyme non et puis nous kembe. Donc OK. À partir jour ça et puis après 3 jours nous chita nous dit bon, OK, pas un problème, nous monter projet, nous fait tout ça nous pour nous faire et puis nous dit bon, une semaine après nous négocier Radio Magnitude, c'est là que nous fait lancement dans Magnitude. Parce que nous dit gagnons espace. Non seulement nous même nous pas l'énergie de nous pas faire cop pendant cette l'argent dans la rue. Exactement. C'est vrai que entreprise nous toujours dit on pas payer, on pas enfoncer des bagages, mais avec ma publicité, avec suite au relancement, ça, nous allons faire l'autre bagaille. Donc, je pense que c'était là, et l'idée était sortie pour nous faire COB et pour nous faire médiateur sur l'autre forme dans le département. Donc, je pense que c'était là, et l'idée était venue, et puis je suis allé travailler l'idée. Donc, voilà, je ne dis pas, ce n'est pas Marco, ce n'est pas Damien, mais c'est toute une institution qui a bougé. Voilà. OK, donc, mesdames, messieurs, c'était l'historicité un tout petit peu de l'institution Mad Publicité. Nous sommes tendez Mr. B qui tape dit nous comment ça t'est commencé, mais tendez nous Mad, alors permettre que maintenant Mad je wall parce que c'est oui, ça wall from Islam. Effectivement. Yeah. Donc maintenant c'est le pourquoi qui ça ou alors ou toucher un tout petit peu mais pas vraiment bas étalage qui sont évidemment qui en matière de marketing, en matière de publicité, qui fait que ou venir avec un tel projet et vraiment ou gain l'impression qu'il trouvait place là. OK. Qu'est-ce qu'a vu la manquer? Tout ça en monde a doit gain pour faire marketing, faire publicité yo là. OK. Yo là mais premièrement monde qui t'a doué faire yo. Yo dit que
communauté, la société norvégienne dans les gains façon la donne côté que yo pas poussé activité, yo pas payé sponsor, yo pas payé publicité. Donc yo pas pas investi tant yo dans faire un bail qui pas gain qui pas rapporter absolument rien. Mais par contre, là nous même nous dans radio na faire radio, nous jeunes bon monde tout qui a mandé nos services. Imagine nous avons vers à la Kali, il t'en doit bien passer Jay. Et puis il dit ah bam love là. Faut-il parler moins parce que d'ailleurs c'est ça la radio côté, de tel côté. Et puis l'autre dit bon vous savez quoi c'est pour parler pour vous c'est faut agir ça faut faire bagaille bien exactement. Et puis ah bon pas de problème non yo connais déjà ouais ça me dit déjà donc à partir de là je me suis dit si créer une structure qui fait dans format ça même laisse ça n'a fait 50-50 mon avoir intérêt pour parler de business par là. Donc c'est pas une émission côté que vous venez patronner une émission et puis à la volée au passé sous business ou un. Mais son émission qui là pour parler des business ou un, pour aller chercher visibilité, aller chercher image, aller faire interview côté business là et puis pour nous vendre produit. Donc parce que c'est à partir de là nous te dit que et ma publicité, une émission comme ça il gagne place, il gagne place dans société. Donc peut-être les cas premier rapport de paix mais parce que toute grande société a des agents. Exactement, un agent publicitaire qui non seulement cap créer contenu et cap aider entreprises yo fait connaître tête yo sur le marché commercial. Donc après midi nous pas plus basé sur la question de publicité ou connaît que son marketing son bail qui vraiment large, je pense quand même n'a capable aborder li dans RTFI et plus tard après nous sortir dans Francis Show. Donc la question de publicité ici à Port-de-Paix. Est-ce c'est toujours un rêve ou l'île en réalité? Bon, c'est une question, elle est lancée à toute jeune qui a évolué dans le département. Qui, bon, c'est, nous, chaque île, nous avons une activité différente qui nous mène dans la ville. Et chaque activité que nous avons fait, nous avons toujours besoin de faire pub. C'est comment ça y est pour nous-mêmes? Comment nous, ouais, question publicitaire dans la ville Port-de-Paix? Et pourquoi pas dans le Nord-Est? Qui en commence moi-même encore ou bon, n'importe qui d'autre. Je pensais quand même non face à France touche pas le tout parce que France c'est un monde qui travaille un peu dans le secteur qui frappe un peu le monde dans dimension parler. Donc comment nous elle et j'aimerais de vous dire ici à Port-de-Paix le micro ne nourrit pas son maître. Et depuis son job micro a fait dans la ville là qu'on est que sans les mots pauvres. Oui ça on met dit fort on pas connait pile nèg qui réussit dans micro pour de paix qui vivre de paix là on pas connait okay. Par contre les qui était ville là nous on ouais tout ça non, parce que tout gros média là c'est parce que c'est nèg de paix qui Nord-Ouest mais ville là mon yo pas investi dans question publicité mon pas investi la donne vraiment. Là, je me pose peut-être mes questions à chaque jour. Est-ce que c'est pour une question d'éducation? C'est une question d'éducation qui dit que je gagne ça pendant que je voulais vendre, mais je ne voulais pas faire connaître que je voulais vendre. Est-ce que ça, c'est pour une question d'éducation qui est liée, qui fait que les gens, jusqu'à présent, ils ont beaucoup de questions de publicité. Moi-même, jusqu'à présent, je suis un Marvel et forme joindre. D'ailleurs, je ne le dis pas. Monde là c'est son plan mais exactement son plan mais même l'aime pas faire pour Port-de-Paix m'a fait mondialement et on les format de publicité mondiale pour nous son référence la question claire l'objectif publicité. Est là yeah. Comment nous ouais question de publicité dans ville Port-de-Paix m'a plutôt valé France vous fouillez vous ça attendre monsieur bon question de publicité a son véritable problème lié pour ici dans tout département nord-ouest là pour pas dire spécialement bord de paix parce que nous tellement fait expérience parce que nous vivons dernier moment pas aucune activité va faire mon faire les sponsors. OK. Tout depuis lancement Fonzi Show. Tout ça Fonzi Show a fait c'est me laguer sur internet là mon nom ouais intérêt dans les Sylvie le contacter contribuer voilà. Il contacter à comment on fait mon activité comment. Parce que nous, on perd de temps. Un, vous pensez pour coller deux, trois mots français pour y'a pas où son investissement lié. Ou pas de point de la carreau, ou bien pas de ordinateur pour faire mon aide ou bien payer un monde pour taper. Comme,
et puis ta fin taper le printel ou acheter enveloppe dès qu'on habitue faire comme ça j'en vois nous toutes belles là même képi même maillot marché on souhaite dans soleil là de business en business n'a on gros enveloppe jeune mais nous n'a baillet ou pensez que pas dire pour jeune million mais gain ça qui très décevant tout on ne peut pas recevoir gain on cap parler avoir l'aide gain mon tout cap penser que c'est magui wa fait ou pas besoin cob gain ça pour de paix si nous pas comme ça gain une série de nèg qui fait affiche pour grab qui fait les sponsors et artiste là pas même pas fait vraiment et lui même il connaît qu'il pas fait pour grab. Oh my god, peut-être nous même qui droite là ou victime tout et moi me connais pas citer nous me connais minimum 3 nèg qui fait ça pour de paix. OK. Hi business bio. Business bio. Di a fait pour grab marché des cob sponsor. Son soit balcon et puis il classe comme dans poche. Ça nous même quelque part nous victimes de lui. Okay. On n'a pas compte qui est qui dans réseau a, qui est qui va dans réseau a. Mais ça pas pour autant pour me dire que mon pas de peuple pas remet ça. Et pour moi quelques business gain business gain des gon passer devant eux même qu'on fait by let sponsor mal porter les sponsor ba eux. Je dis ah depuis moi long artiste là même marque Bricabrac Dieu est grand là. Tout le monde a passé ouais Bricabrac Dieu est grand marqué là, pas besoin. C'est fini. Gien ça tout me songer que me ta font activité pour de paix, son grande personnalité, pas citer non pour en pile raison. Son monde qui était occupé. Gros fonctionnaire. Yon plus gros, yon parmi 5 plus gros fonctions qui gagne dans pays là. Aïe. OK. Mal bouton let sponsor pour lui et puis les bon rendez-vous. L'aime retourner les ça époque point vert sinon c'est sinon songer ouais bah longtemps et puis l'aime passer il va me rendez-vous pour venir pour réponse l'aime passer venir pour réponse je ne cap $5 tout neuf. Oh bon excusez-moi 4.25 good si me dit $5 vous avez c'est sérieux voilà non enveloppe blanc 4.25 good tout neuf clair qui donc 100 good et les activités ça me t'a fait assez dans coin vert d'affaire. Pi gros sponsor que me déjeune m'a cité non ça rien que pi gros sponsor que me déjeune c'était Loristo. OK. Loristo qui était bon 600 good. Loristo 600 good. Oui, 600 good. Pigo, oui. Pigo. Pigo sponsor. So yo, venir au moment là, me dit c'est même j'ai tout, me te fait même sur port au prince dans faculté, me venir ici. Bye. Déposer CV, déposer CV, Zamin, Romel. Romel dit, c'est le devant bas, on était au même pour déposer CV. Chaque fois que je déposer CV, on voit MGT. Ils vont me dire, si je veux un job, on a un bon job là, après ça, je vais CV. Clair. Oui. Et premier job, je vais c'est le fin de job là, on a dit, il faut préparer un petit CV pour ban moi. Ok. Et si vous avez un job là, encore, vous avez des personnes qui connaissent en France, vous avez une potentialité, ben mon CV pour un bon job. Je pas besoin de job là. Bon job là, après ça, m'a bossé. Bon CV. Clair. Parce que tu as CV qui boule déjà. Et donc, c'est juste pour nous dire question publicité pour de paix. Nous n'avons pas pris ça en charge du tout. Peut-être que nous irrare. Nous avons compté sur le quelque monde qui a fait un effort. Si effort, mais ce n'est pas vraiment fouillé. Et moi, je fais un peu d'expérience. Je compte ça veut dire publicité. Et pour sans nous, pour me finir, Nike, Adidas, chaque année, pas d'habitude dépenser millions. Tout comme ça, voilà. Le monde entier contre Nike. Coca-Cola, Coca-Cola, le monde entier contre Coca-Cola. Il y a toujours fait publicité. C'est des millions de dollars américains qui dépensent chaque année pour faire publicité. Et surtout, c'est sous toute forme. Sous toute forme. Sous toute forme. So, je ne suis pas capable de logique, mon bon père. Yeah. On va jouer ton bagage, notre secrétaire. On va pas jouer ton bagage, notre respirer là, alors souffle, on va le dire, on va causer. Bon, regarde, parce que beaucoup vraiment qu'on marche là. Donc, je ne suis pas vraiment habitué avec le monde pour de pétrop. Donc, beaucoup qu'on vraiment dire. Ok. SB. M'ajouter plus. Ah, en fait, au lieu de m'ajouter plus de questions à au même PDG. En fait, question par maintenant, pourvu que la technologie avance et quelle stratégie qu'on pourra utiliser en termes de publicité en ligne? Est-ce qu'on pourra utiliser système publicitaire online, par exemple, et faire Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, Pinterest Ads? Est-ce qu'on pourra utiliser stratégie en ligne ça pour avancer ensemble avec ma publicité pour générer des publicités
pour musicien. Gros bouton en question et réponse on connaît déjà. Pour que ça me connaît, si on ne connaît pas, ou pas tap en dans ma publicité. Dis qui est souillé, moi. Présentez-toi tout moi. Dis qui est souillé. Dis qui est souillé. SBT. Ok. En gros, si ma préfère en présentation, c'est Jeff T. Vanderson, PDG SB Techno LLC, qui est une compagnie qui est enregistrée aux États-Unis, qui a un service qui a gagné pour développement web, digital marketing, service coaching, etc. Ok, ça veut dire, ou clair, ou répondre à tout. Parce que moi-même, comme PDG, je suis une idée, je viens avec une idée, mais désormais, je ne peux pas pour moi. Et si je ne peux pas chercher, je me suis dit tout à l'heure, faire un bagage mondial, je ne peux pas gagner. Je ne peux pas gagner Mandy et assistant Lee comme deux gros boutons de caméraman. Je ne peux pas gagner Jay comme graphiste. Hein? Et pas comme graphiste seulement. Jay, son package, son full package. Je ne peux pas gagner un micro radio, monsieur, si tu me fais. D'ailleurs, il y a des gens qui disent que ça ne va pas faire. Plusieurs fois, je dis bon, pourquoi tu ne vas pas essayer pour le corps plutôt? Oui! Moi-même, si tu as bien ma publicité a fonctionné, il y a plus de monde qui dit Damien, ou capable. Pourquoi tu ne vas pas faire pour le corps, mais on pas jamais quoi que m'ka réussi pour comme yeah. Peut-être si m'ka font ti bagaille pour manger pour me laver motocyclette mais pour bagaille mais rêve l'en connait monsieur c'est pour nous millionnaires dans ma publicité rêve tout le monde gagne dans ma pub c'est pour nous millionnaires et avec ma pub donc parce que j'en dis en son belle question mais on répond peut-être encore c'est permettre à ce que ma sous tout côté où connait gagne monde qui regarder yo moi même maronne yo maronne c'est sur Facebook m'ka même monter Facebook m'ka créer une page même maronne. Parce que c'est là l'importance. Est-ce que vous comprenez? Exact. Yeah. Bon bagaille, VDG, bon bagaille. Parce que de nos jours, si nous sommes capables de remarquer l'avancement technologique, parce que pour la majorité des business, ils ne viennent pas faire de publicité terrain encore, c'est qu'ils font publicité online. Online. Parce que vous regardez Facebook, il y a plus de 10 millions de personnes qui connectent presque par jour. Nous avons Twitter aussi, nous avons TikTok qui a avancé. Ou que vous avez dit Twitter à la remplacer par X? Et oui, il y a parlé de logo, ce n'est pas non Twitter, c'est logo Twitter. Bon, ouais, ça tu peux dire. Nous avons Google qui avance très bientôt parce que ça, ils utilisent pour faire publicité, Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, Pinterest, parce que ça va extrêmement. Parce que tout internet captain de nous cap garder nous là parce que ma publicité pour venir avec un autre bagaille et faut tout dit mon tout ma publicité c'est première institution publicitaire qui a gain propre site internet exactement Jason Jackson exactement ma publicité pour venir faire un autre bagaille un bagaille de standard un bagaille que monde peut que jambe dans département nord-ouest là bon bagaille. Yes, donc nous avons parlé des questions publicitaires à Port-de-Paix. Bon, même petite expérience, moi j'ai chance fait avec Mr. B, mon cher. Bagayo en merde. Comme nous pas qu'à camper, nous obligés à avancer quand même parce que si Mi lui a pas qu'à influencer, ou obligé quand même fait tout ça qu'on connaît pour influencer Mi lui. Est-ce que nous connaît même à faire publicité ça, l'Iran ville là très rase, du fait que par contre marketing qu'a fait, du fait que Moon qui a entreprendre dans la ville là, qui a fait business, qui a fait entrepreneuriat, non seulement ils ont fait business n'importe comment, ils ont entrepris n'importe comment, et là ils ont créé business, ils n'ont pas mis les gens qui connaissent. Non, yo? Donc combien de business là qui sont experts en marketing? On dit business privé. Nada. Combien de gens ont un bon chef ressources humaines, comme si des gens qui là, qui ont contrôlé ressources activité à ressources entreprises là vraiment yo pas investi donc nèg la li même li seulement gen cob malheureusement qui pas bien formé et puis le bon petit famille mette dans entreprise là maintenant les ça yo dit ben ou même qui c'est client ou vinn pour un service ou pas satisfait ab gon l'autre monde cap toujours venir et c'est là li vinn problème là. Maintenant toutefois pas gon entreprise pas gen des entrepreneurs cap fait entrepreneuriat qui a fait innovation, qui a investi dans la publicité, a gagné pile de jobs qui peuvent créer et a gagné pile de jeunes influents qui peuvent jouer une place surtout. Je ne vous dis pas, si on est qu'à étudier la communication, il était ici à Port-de-Paix seulement, comment elle peut le faire? On dit un jeune qui étudie communication, ça veut dire, ville là, en termes de marketing, capable ouest, une ville qui vierge, ça veut dire vraiment, business, entrepreneur, mon café, business, pas quoi dans ça.
bien que on ait qui étudie communication, on est capable toujours choisir travail dans l'organisation ou bien font l'autre bagaille. Mais on dit un jeune qui gagne passion pour la question de médias, la question de marketing, créer contenu publicitaire. Donc là, on peut mon ça. L'a souffri en pile parce que moun yo pa kwè nan sa. Et c'est ça que fait ou vin wè pa gagner concurrence tout parce que nèg ka fè bizyo tout bizyo semblé. Tout bizyo semblé et pa vraiment gen sergon service ki hors pair et ou lò vin jwenn yon moun ki décide ba yon ti bagay yo rayé. Ouais, mon grand jeune homme d'a pa lavel, m'te di l'on va, m'était vraiment fâché avec moi, même dit ma voulais me fâcher mais faire constat ou même après quoi ou garder tête tout pour pas dire est-ce que c'est ou même acte tout gain problème sous face à même clair parce que n'importe par exemple nous gain dans le temps nous gain ciné idéal ciné idéal fermé il casé au fond en restauration là du fond restaurant là dedans et nous gain côte pour toute là en bas là faut ciné ça on fait là dedans dépossiment. Dépossiment. Et on bon l'autre bel espace encore. Regardez qui ça va faire là-haut. Dépôt. Dépôt du riz. Dépôt. Ciment. C'est celle ça va faire là-haut. Ça veut dire, ville là même, c'est comme si on ville qui construit même pour ça. Pour s'allier. Mais Jean Audien, on est, il dit que je vais investir avec tête, je vais faire communication et le petit bail. Comme si vous pensez que vous parlez jeune monde, il va l'embrasser, vous dites, yo. Il va facile. Il va facile dans la ville, ça. D'où l'importance de ma publicité. Exactly. Donc, parce que c'est pour ça, nous là, nous-mêmes, malgré ça, nous subissons déjà. Mais nous dit que, faut que nous étions campés. Si Fran Hitzo a campé, si. Et comment Harold. Comment Fran Harold. Exactly. Nous n'avons pas bon anglais. Tu ne donnes pas comme ça, non, quitte ça. Donc, ça yo vin fait que nous même dans mad pub nous dit quelques agents ça attaque ailleurs mais ben, faut nous essayer trace exemple faut nous kembe compare même si c'est tu nous pas bon n'a danser sous genou quand même exact OK et faut que nous camper c'est ça mesdames messieurs ou même internautes qui t'a regardé non donc nous arrivé l'heure pour nous dire bye bye et on passe rendez-vous là c'est pour la radio RTFI, c'est ça? RTFI, Radio Télé Formidable, qui nous pourrait gagner une chance de plus parler en termes de marketing, en termes de services, en termes de produits, de mat. Alors, c'est là que vous pourrait gagner pour suivre l'émission chaque après-midi, et 5h, 7h, chaque après-midi. Il y a bien pour suivre l'émission sur RTFI, qui c'est base là. Après ça, sur différentes radios, nous avons Manassé, nous avons gagné Volcan, et puis Fun Hit Show, nous avons gagné deux séries par semaine que nous avons gagné dans un studio ça. Donc pour nous rendre le projet plus bel et plus large comme ça pour business pour l'entour arriver dans plus oreilles dans plus G parce que c'est ça, ça nous décider pour notre travail. Donc nous attend tout le monde vienne faire business ensemble avec Mad Pub au bas progrès. Entre temps on a profité remercier Franz Hitcho qui d'accord ba nous la Kaeli pour nous faire lancement Mad Publicité, on a profité et remercié également. Et la victoire clinique de Dr Georges qui sous toi rivière là, les on descend sur boulevard Jovenel Moïse là, on a une victoire clinique. Donc monsieur ça depuis dans conception projet a campé ensemble avec nous. On pas gon l'homme relé et Dr Georges pour Mad Publicité pour refuser. Mad passé ou fini point y compris pour le store de Paul Washney. Deux institutions sérieuses, pas jamais refuser ma pub, quelle que soit l'activité que n'importe qui prenne, il est toujours campé avec nous. Et c'est eux qui déjà campé dans le lancement officiel là pour nous faire bailler. Jeudi, jouer nous belle là, à vibe là, c'est Victoire Clinique et puis Polo Store. Polo Store. Bah, merci beaucoup, à la prochaine.